وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et dans chaque adoration, l'intention est préalable au début de l'action. L'intention devance l'action. Car quand on entre dans l'acte, il faut que l'intention soit présente. Sauf certains cas précis dont on va parler. Exceptions, certaines exceptions. Mais en général, l'intention devance l'entrée et la mise en pratique d'une action. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est bien connu de Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a voulu accomplir. Maintenant, concernant le lieu de l'intention. Le lieu de l'intention, c'est le cœur. La formulation de l'intention, elle se passe dans le cœur et non pas avec la langue. D'ailleurs, les savants sont unanimes que celui qui formule une intention avec la langue et qu'il n'a pas formulé avec son cœur, alors c'est invalide. Et la parole la plus juste, c'est que formuler l'intention avec la langue est une bid'a, est une innovation. Car la place de l'intention est le cœur. Donc celui qui se dit « demain je vais jeûner », il s'est dit dans son cœur que le lendemain il va jeûner, après le Maghreb par exemple, ou après l'Isha, ou à n'importe quel moment de la nuit, que ce soit à partir du Maghreb jusqu'à le Fajr, jusqu'à avant le Fajr, n'importe quel moment de la nuit, alors son intention sera acceptée et valable. Bien sûr, après le coucher du soleil, après le Maghreb. Non, après le Maghreb. Avant le Maghreb, ce n'est pas valable, car on n'est pas dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la nuit. Celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube. Ou bien pas de jeûne pour celui qui n'en a pas l'intention dans la nuit. Les savants donc n'ont pas divergé sur cette obligation-là concernant le jeûne obligatoire. Tout jeûne obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan. Un jeûne d'expiation. Un jeûne pour rattraper un jour obligatoire. Un jeûne pour un vœu pieux. Tous ces jeûnes-là, il est formellement obligatoire d'avoir eu l'intention de jeûner dans la nuit. Si la personne a l'intention après l'aube, ce ne sera pas valable.